Eh bien, bonjour à tous et bienvenue pour ce 4e épisode sur Croc, The Legend of... Legend of the Gobos. Bon, alors, plusieurs choses. La première, c'est que je suis extrêmement motivé pour faire ce stage infâme qui nous attend. Et le deuxième truc, c'est que j'ai remarqué dans la partie précédente que j'avais trop rapproché le micro, ce qui fait que dès que je soufflais, ça faisait un magnifique bruit, voilà. Donc là, théoriquement, je l'ai mis à une distance quand je fais ça. Voilà. Théoriquement, il n'y a pas de bruit de soufflement dans le micro, hein, j'espère. Bref, j'ai réglé à peu près le son, j'ai baissé un peu la qualité de la vidéo parce que la vidéo précédente faisait 20 gigas, donc je me suis dit c'est beaucoup trop fat, même si c'est pas un problème pour l'upload. Mais là, clairement, voilà, j'ai baissé le débit parce que j'avais pas besoin de mettre autant. Donc voilà, de toute façon, vous, je pense que vous verrez pas la différence en termes de qualité. Ça va rester clean étant donné que c'est de la PS1, voilà. On n'est pas sur un gros jeu, ce sera pour plus tard, quand j'enregistrerai des gros jeux. Là, je pense qu'il faudra que j'augmente la qualité, mais pour le moment, comme c'est un jeu pixelou, là, il n'y a pas de problème. Bref, allez, on va se lancer une game, c'est parti. J'ai même pas lancé le chrono, magnifique. Alors, hop, Z-chrono de la personne, voilà, on se met une heure, et c'est parti. Allez. Bon. Cette musique. J'en peux plus déjà. Ça me gonfle déjà. Non, en vrai, je suis chaud quand même. Je suis extrêmement chaud. C'est mon petit plaisir du soir, cette semaine, là, de se taper un petit croc. Donc, allez hop. Donc, il faut récolter les vies dès le début et il faut surtout pas les paumer. Voilà. Et si je perds, je peux recommencer ici, hein, y a aucun problème. Voilà. Alors là, il y avait hop, juste ici. Ah non, c'est pas là. D'accord. Alors c'est où exactement que je dois tomber? C'est après la plateforme. Ah bah oui, je suis con, la plateforme descend. C'est ça. Ok, d'accord. Ok, d'accord. On va se laisser crever. On va se laisser crever parce que j'ai perdu une vie bêtement, donc full balèque. Continue. J'avais combien de vies? J'avais 2 vies ou 3 vies? On va mettre continue pour voir. Parce que je crois qu'il nous refile 2 vies, donc dans tous les cas c'est la même chose. Je crois que c'est ça, hein. Ouais, on a 2 vies. Ok, bon allez. Hop. Voilà, on va choper les vies. C'est con qu'on puisse pas save à ce moment-là, quoi. Comme ça, on aurait les vies directement de boss, quoi. Il y a encore des freezes. Je sais pas exactement ce que c'est, des espèces de traînées blanches, là. Et dans le doute, on va essayer de pas trop s'en approcher. Un peu de mal avec les caisses à chaque fois, hein, putain. Hop. Voilà. Donc on a quoi? 4, 5, 6... On doit avoir 6 vies, normalement. Ce qui me paraît pas mal. Ouais, 6 vies. Allez, là, faut pas déconner. C'est génial. C'est génial. Alors que je l'ai first try... Eh, mais attendez. Attendez, y'aurait pas moyen de brain, là? Il n'y aurait pas moyen de brain ici, en fait. Non. Bon, c'est pas grave. De toute façon, on va recommencer. J'ai perdu des vies comme une merde. Ok. Ok, ok. Allez, laisse tomber. C'est vraiment compliqué d'être précis, en fait. C'est ça le problème du jeu. C'est que c'est super dur d'être précis à chaque fois. Bon, aujourd'hui, je vais essayer d'être calme, hein, d'être tranquille. Tout va bien, c'est qu'un petit jeu pour les enfants, hein, à la base. Donc, on va pas se prendre la tête.
Mais les plateformes dans le vide, ça me fait vraiment bader, hein. J'ai trop de mal en fait, je perds mes moyens. Alors que finalement, c'est pas dur, vous voyez. Il suffit de sauter juste bêtement, quoi. Mais j'ai toujours peur d'être pas bien dessus, alors je fais des petits droits de gauche ou des petits hauts bas dans les airs et puis je fais de la merde, quoi. Il y en a toujours une où je galère un peu plus que les autres. Voilà, en fait, ah oui, le machin blanc, en fait, ça t'aspire dans le... Ça t'aspire dans le machin vert, là. C'est vraiment de la saloperie. Ok, allez. Putain, mais c'est hallucinant, mais... Non, mais je vais pas m'énerver, mais... Et c'est vraiment, mais... Putain, voilà, j'ai perdu une vie, quoi. C'est ouf, non mais tu peux pas garder les vies, en fait. C'est juste pas possible, quoi. T'es obligé de crever, quoi. C'est tellement hard. Ah oh, putain. Ça frise en plus, c'est infect quoi. Ok. Alors j'ai le souvenir qu'il était interminable ce stage. Hop là. Bon. Alors je me souviens plus bien des... Des trucs. Ah oui, là c'était chiant. Alors attends. Ah, je me suis quand même fait toucher. Putain, c'est dingue, hein. Vraiment des saloperies, quoi. Alors là, on a une cage à ouvrir. On s'en tape. On va monter là. Hop. Voilà. Ok. Bon, cette phase-là était pas très très hard. Putain, par contre, j'ai plus de sphère, va falloir que je fasse attention. Vous avez vu, ils ont mis vraiment quasiment que des plateformes fissurées. Hein. C'est vraiment des enfoiros. On va essayer de choper des... Voilà, des sphères, c'est le principal. Ok. Cinq vies, on est pas mal, là. On est pas mal du tout. Alors attends. Ah oui, alors ici, il faut activer le... Ouais, faut activer le bouton rouge. Que je me fasse pas avoir comme hier. Hop. Voilà. Hop. Il y a quoi là-dedans? Des joyaux. Des joyaux. Putain, mais sérieusement, quoi. Je vous jure, mais les sauts, c'est vraiment une saloperie, quoi. C'était sur le bord, hein. Oh la vache. Bon, on a 4 vies, je crois. Hein. Je crois qu'il y a encore 2 tableaux, après. Hein. Ouais, c'est pas le dernier, celui-là. Alors attention. Attention, attention. Là, ça va être compliqué. Non, non, mais je vous dis, c'est un truc de ouf. Franchement, choper un émulateur et essayer le jeu, quoi. Vraiment, vous verrez le gameplay, c'est un truc de malade, quoi. En fait, c'est pas précis du tout, quoi. Et ça te demande d'être précis. C'est ça qui est infect, quoi. On va pas choper de bloc, hein, tant pis. Putain, c'est con. En fait, là, on a perdu quoi, 3 ou 4 vies, je crois, déjà?
crois qu'on a 3, voilà. Donc en gros, il nous reste une vie qu'on aura gagnée, quoi. Si on meurt pas sur le chemin. Ah, on a une vie là. Ça, c'est pas mal. Ça, c'est cool. Alors, attends. Ok, je peux aller là, je peux sauter. Ensuite, ok, d'accord. Hop. Non. Je chope la vie et je la perds juste en retombant, c'est énorme. Oh, ils ont remis la vie. Ils sont sympas. Ils sont sympas. Bon, alors attends. Ouais, en fait, faut vraiment que j'attende sur la plateforme fissurée. Voilà, truc comme ça. Lui, il écart. Voilà, là, on est pas mal. Là, on est pas mal. Et donc, il doit rester normalement la dernière salle avec l'enfer sur Terre, quoi. Voilà. Le truc infâme. Avec les toutes petites plateformes. Les lames de machin, là. Ok. C'est vraiment, mais je serre les fesses. Hein. Non. Putain, mais pourquoi j'ai sauté, quoi? Oh, je dois tout refaire. Allez. Allez, c'est bon. Putain, mais j'ai mis un coup de queue, là. Non, mais c'est dingue. C'est une blague. Mais putain, mais je... On peut pas le tuer, en fait. D'accord. Le gars, on peut pas le tuer. Ah, pas mal. Je sais pas si j'aurais pu me faire écraser. Ah, c'est super hard. Hein. Putain, la vache. J'ai sauté. On va passer toute la vidéo sur ce stage. Il est horrible. Hein. Franchement, c'est... Pour le moment, c'est le pire stage. Hein. Mais putain, mais... Non, mais il est infect, ce personnage-là. Tout à l'heure, je l'ai first try en arrivant, et là, j'arrive pas, quoi. C'est ouf. Alors, je pense que quand il est en flamme, en fait, on peut pas le tuer. Hein. C'est pour ça. Vite! Ok. Allez. Il nous reste 2 vies, je crois. Bon. Tant pis. Hein. Alors, attends. Attends. On va se mettre bien en face. Oh la vache, c'est horrible. Yes! Oh putain, yes! Allez! Mais putain, termine-moi ça, là! Ouais! Une gemme! Bravo, les gars! C'est bien, gamin, c'est bien. Tiens, tu veux un petit goûter, là? Putain, on dirait tellement une merde. Bon, je sais pas combien il me reste de vie, je vais sauvegarder, parce que j'ai pas envie de refaire cette merde. Non, mais vous avez vu, j'ai perdu au moins 5 vies, quoi. 6 vies sur ce niveau, c'est tellement de la merde. Ah, peut-être pas 5 vies parce que... Ah, quoique si, peut-être 5 vies. Non, non, mais j'ai pas du tout envie de le refaire, quoi. Super dur. Hein. Ok, donc il me reste ça et après le boss, normalement. Et ensuite, on est au monde 4. Donc le dernier, hein, parce qu'on fera pas le monde 5, hein, vous l'avez compris. J'ai 2 vies quand même, d'accord. Classique. En fait, c'est comme si... J'avais eu un game over et que juste je recommençais, quoi. Bon, en espérant que celui-là soit un peu moins chiant. Je pense qu'à mon avis, ça va crescendo, hein, les stages. Alors, attends voir. Écoutez, on va aller à droite. On va commencer par l'extrême droite, toujours. Il me fait chier à faire des coups de cul quand je veux pas. En fait, je bourrine le bouton de saut, sauf que quand t'appuies 2 fois sur saut, il fait un coup de cul. Ce sac. Ce sac man.
Ok, là. Il y a quoi par là? Ah. Un bouton. Ça sert à quoi? À quoi sert le bouton en fait? Est-ce qu'il fait bouger la plateforme en haut? Non. Je vois pas à quoi sert le bouton en fait là. Je comprends pas. Putain, mais comment tu veux? Tu vois rien? Ah d'accord. Ah d'accord. Ok. Bon, et bah finalement, tous les stages sont antisémites en fait. C'est ça. Et c'est chiant que ça lag, hein. Franchement, ça commence à me lourder, mais quelque chose de concret. Hein. On va paumer toutes nos vies, c'est pas grave. Donc ça doit faire bouger la plateforme en hauteur, là, mais je vois même pas comment l'atteindre, en fait. Attends. De toute façon, on va recommencer, hein. Comment t'atteins la plateforme? Ils se foutent de ma gueule ou quoi? On va pas le faire. Ah, on va pas faire cette zone parce qu'elle est impossible. Donc on va décarrer le machin, on va aller autre part. Alors on va aller là. Hein. C'est bien, en fait, ils mettent des zones qui sont complètement infâmes. Enfin là, je vois vraiment pas comment faire. Avec la caméra, tu vois rien, laisse tomber quoi. Eh, franchement, les frises, ça commence vraiment à me péter les couilles quoi. Ah ouais, d'accord, pas mal. Ah, ok, je croyais qu'il pouvait pas m'atteindre si j'étais en hauteur. Ok, donc cette zone ne sert à rien, en fait. D'accord. Ah si, il y a une clé là-bas. Quoi? Mais qu'est-ce qu'il m'a tué? Ah ouais, d'accord. En fait, tu te fais tuer, tu sais même pas comment, quoi. D'accord, super. Ah, c'est vraiment de la merde, hein. Putain. Ah, je m'énerve pas, hein, vous voyez, hein, j'hallucine, quoi, en fait, sur... Je sais pas comment je suis mort. Je me suis pas fait toucher, donc... D'accord. Mais c'est horrible, hein. Putain. J'inspecte, hein, parce que de toute façon, on va crever, mais bon... Au moins, j'essaye d'inspecter un petit peu le niveau, quoi. Oh là là là. Oh putain. Oh putain. Oh le truc de merde. Elle est dans le noir, évidemment. Alors, attends. On va aller par là. Tu peux descendre de la cage, là? Merci. Oh là 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 là. Mon dieu, la saloperie de niveau de merde. Je sais pas ce que je déteste le plus. Les passages dans le vide. Ou les niveaux dans le noir où tu vois pas en fait. Je sais pas, parce que les deux c'est vraiment de la saloperie quoi. À la limite je crois que je préfère encore les niveaux dans le vide. Parce qu'au moins tu sais où sont les plateformes, tu sais où tu vas. Les niveaux dans le noir tu vois rien donc... Allez. J'étais pas sur la plateforme, hein. Apparemment. Ah, j'ai sauté trop tôt. Là, c'était ma faute. Là, c'était ma faute. J'ai sauté beaucoup trop tôt. C'est pas par là. Hein. Non, c'est pas par là. Déjà, il y a la porte verrouillée. Qui est... Ah, mais en fait, elle était juste là, d'accord. Ah là 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 là, les faces dans le noir, c'est vraiment la pire merde.
sûr qu'il y a moyen de sauter par-dessus, là. De sauter sur la plateforme. Bon, est-ce que je vais à gauche cette fois? Ou est-ce que je reste à droite? On va tenter à gauche, quoique je vois rien, en fait. Ah oui, on voit rien, là. Bon, bah, advienne que pourra. Pas mal, le freeze. Bravo, les mecs. Ok, c'est bon. J'ai une clé de merde qui doit servir à que dalle. Attends, on va attendre que le truc repop parce que c'est pas possible. Ok. C'est dingue, ils te foutent des trucs, tu peux même pas sauter dessus, quoi. Non mais attends, c'est tellement hallucinant, quoi. Ah yes, ça c'est bon. Pas emmerdé, là. Vas-y. Dragon Rush. Ah, pas mal, le bug. Alors, attends. Ok. Ah, ben voilà. Bon, en fait, faut aller à droite, hein. La gauche, on laisse tomber totalement. Peut-être qu'il y a une vie, mais en vrai, on s'en branle. Franchement, j'en ai rien à foutre. Par contre, c'est bizarre qu'ils nous mettent une lumière juste devant la porte. Peut-être qu'il va falloir revenir. Waouh, qu'est-ce que c'est que cet endroit de merde? Oh putain, c'est juste pour aller choper une clé. Ok, on va devoir revenir dans le noir. À mon avis, le chemin de gauche, il y avait une clé. Ah, pas mal. Ah bah ouais. Ah d'accord. C'est vraiment du... C'est du putain de die and retry, en fait. Ah, c'est là qu'on s'en rend compte. C'est du putain de die and retry, en fait, ce jeu. Je vous traduis, ça veut dire que c'est de la merde, en fait. C'est un gros jeu de merde. Non, mais ouais, je suis quand même assez déçu, quoi. Je m'attendais vraiment à un truc sympa, et... Pff, ouais, c'est vraiment beaucoup trop hard, et... C'est dommage, quoi. Non, mais regardez-moi ça, quoi. Non, mais est-ce qu'on est d'accord? C'est ridicule, quoi. C'est complètement con, c'est... Putain, ça me débecte, quoi. Franchement, je trouve ça, mais... C'est honteux, quoi, de faire un jeu comme ça... Putain. Eh mais heureusement que j'y ai pas joué plus que ça quand j'étais gamin. Hein. Vraiment. Hein. Je serais devenu un serial killer, hein, sans déconner. Hein. Franchement, les jeunesses et tout, là, Tortue Ninja, mais... c'est du même niveau. Hein. On est au même niveau, les gars, là. Donc là, en fait, je sais même pas comment passer. Parce que si tu veux, le gars, je le bute... Mais il repop en fait, automatiquement, j'ai pas le temps de passer en fait. Donc en fait, il va forcément me balancer un truc dans le cul. Donc comment je fais en fait? C'est ça le truc. Comment je fais? Bon, j'ai pas eu le... Il a pas sauté assez haut, évidemment. Ça me fait chier cette cache de merde, à chaque fois je saute dessus là. Putain mais ça, mais... Putain mais c'est horrible en fait. Genre à chaque fois ces plateformes là tu glisses dessus quoi. Bon c'est pas très grave. On a récupéré des gemmes. Bon, alors attends, comment je peux faire là? Est-ce que je peux sauter en hauteur? Ouais, je crois que si je pète pas la caisse... Ok, si je pète pas la caisse, je peux peut-être sauter en hauteur. Sur la grille. Yes, je pense, on va voir. Ouais, carrément. Voilà, parfait. Et là, on n'est pas emmerdé. Par contre, ok, ils nous ont mis ça. Non, non, mais c'est hors de question. C'est hors de question, mon gars. J'utilise pas du tout les flambis, quoi. C'est mort. Ok. 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 Fou, putain. Ah oui, à mon avis, c'est pour revenir sur la grille. C'est pour revenir sur la grille, le flambi. Vous avez vu ce bordel, quand même, pour me placer, quoi. Ok.
Bon, c'est toujours ça de prix. Putain, même de dos, le mec, il te target, quoi. On va pas prendre les joyaux. Franchement, ça sert à que dalle. On va sûrement se faire niquer, donc... Y a vraiment aucun intérêt à les prendre. Alors. Ah, les bâtards, putain, elle dure une seconde, la lampe. Ok. Ok. La clé, bon, on la prend, même si, bon, ça sert à rien. Alors, attends, parce que tout à l'heure, je me suis fait niquer comme une merde. Tu peux pas, en fait, tu peux pas sauter dessus. D'accord, on est d'accord, les gars, y a aucun problème. En fait, faut prévoir quand elle pop, c'est super. C'est vraiment la meilleure chose, la meilleure idée du jeu, en fait. Faut anticiper l'apparition de la plaque. C'est excellent. Okay. Donc en fait, ça s'appelle en fait du... Bah, être médium ou être divin, en fait. Hein. Être devin, pardon. Mais ça relève aussi de la divinité, hein, forcément. On est plus ou moins sur de l'occulte. Hein. Ah, ça marche pas, en fait. Même en anticipant, ça ne marche pas. D'accord, on a plus de vie. On va devoir tout refaire. Putain, j'ai hâte de finir ce jeu de merde. Vraiment, les gars, j'en peux plus. Hein. C'est vraiment une merde. C'est vraiment une énorme merde. Putain, c'est tellement hard. Mais c'est tellement hard. En fait, maintenant, ça va être un niveau, une vidéo, quoi. Mais c'est un truc de ouf. Mais ils sont complètement cons, en fait, d'avoir fait ça. Mais ils sont tarés, ces mecs. Ouais, franchement, mais j'aimerais bien rencontrer les créateurs du jeu, quoi. Pour leur demander pourquoi ils sont finis au doigt, en fait. Qu'est-ce qu'ils ont? Ils ont des problèmes dans leur vie, je pense, ces mecs-là. C'est pas possible. Faire des jeux comme ça, c'est... Faut être complètement con. Hein. C'est pour les enfants, bordel, bande de sacs à merde. C'est chaud, quoi. C'est super chaud. Le mec part à gauche, c'est une infamie. C'est une infamie. C'est horrible parce qu'il faut... Putain, il faut tellement tout refaire, quoi. Putain, mais... Oh, c'est même pas calculé. C'est même pas calculé au poil de cul. Si tu tombes, si tu retombes sur le truc, tu tombes dans la lave. Enfin, dans le caca, parce que c'est pas de la lave, c'est du caca, en fait. Qu'est-ce qui s'est passé? Ah non, mais attendez, attendez, c'est dingue, là. C'est dingue, on est vraiment sur un truc de... Je comprends pas ce qui vient de se passer, en fait. J'avais pas une gemme sur moi? Pourquoi je suis mort, quoi? J'ai chopé une gemme, il me semble. Hein. J'avais une gemme, hein, donc les gars... Putain, mais c'est horrible, quoi. Je vais faire des safe states, là. Hein. Franchement, je vous le dis, les gars. Hein, on n'est pas loin des safe states. Hein. C'est vraiment de la merde. Hein. Putain, c'est un gros jeu de merde. Hein. Je le répéterai jamais assez. Hein. Une merde infâme. Plus jamais je touche à cette saloperie. Hein. Crois-moi bien. Hein. Putain, mais non, mais j'ai cru que j'étais pas sur la plateforme. Oh là 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 là. Bon, ouais, ça sert à rien, les crèves. On va tout recommencer, c'est pas grave. On n'arrivera pas à le finir. Putain, on va pas réussir à le finir, le truc. Mais c'est pas grave, c'est pas grave. Une heure, voilà, on est à 30 minutes. On est à la moitié de la vidéo, on a fait un niveau, les gars. Bravo. On a fait un niveau. D'habitude, on en fait... d'habitude, on en fait... Attendez, il y en a 6, 7, 8... D'habitude, on fait 8 niveaux par vidéo. Donc, c'est-à-dire 4 en 30 minutes. Là, on en a fait 1. Voilà. Puis, c'est même pas genre la difficulté, elle augmente progressivement.
C'est-à-dire, c'est premier monde, c'est cool. Deuxième monde, antisémite. Troisième monde, le démon, en fait. Genre, c'est niveau démon. Vous savez, c'est comme dans One Punch Man, en fait. C'est... tu vois, t'as les niveaux... t'as les stages niveau dieu, machin. Là, c'est un stage niveau démon, en fait, automatiquement. Sauf que, en fait, moi... Tu vois, pour rester sur une référence à One Punch... Moi, je suis le cycliste, en fait, là, tu vois. Et je dois me battre contre un stage niveau démon, s'il n'est pas possible. Je sais pas pourquoi je me suis fait toucher, hein, les gars. J'étais dans les airs, parfaitement. En fait, t'es obligé de speeder, parce que la lumière s'éteint, sinon. Ne pousse pas la porte, pédale. Putain, mais... Ouais, je suis l'espèce de pédale en vélo, quoi. Je suis une merde en vélo, en fait. Après, je l'aime bien, hein, ce perso en vélo. Mais voilà, il est pas fait pour se battre contre un... J'ai sauté! Je vous jure que j'ai sauté! Le gars n'a pas sauté, en fait. C'est un truc de ouf. Puis la musique de Dexter, elle commence vraiment à me gonfler, quoi. Oh la vache, on se croirait à Miami, là. J'ai assumé tant de choses de Cuba. Putain, ça me casse la couille. Ah, j'ai la couille qui s'autopelle là. C'est possible ou pas? Putain. Peut-être que c'est un jeu pour les nyctalopes, hein. C'est possible, hein. Ça doit être ça le truc en fait. C'est pour ça que j'y arrive pas. Comme je suis pas nyctalope, comme je vois pas dans le noir. Oh putain, j'ai réussi. Comment j'ai fait? Ah oui, en plus c'était juste là quoi. C'est-à-dire que je suis mort 75 fois à cet endroit alors que la porte elle était à 3 mètres quoi. Ouais, c'est ça en fait le problème. C'est que je pense que les mecs, en fait, les développeurs en fait, ils ont fait un jeu pour les nyctalopes. Et je pense que tous les développeurs ils étaient nyctalopes. Donc ils se sont dit, bon, ouais, bon, le jeu il est tranquille en fait. Mais non, non, non. Ils ont oublié que la majorité de la population, c'est-à-dire 100% en fait, n'était pas du tout Nyctalope. Alors c'est pas du tout un jeu, hein. J'essaye pas de placer le mot Nyctalope hein, c'est le plus souvent possible. Hein. On s'en branle des caisses, vas-y, va baiser ta daronne. Les caisses, elles vont tellement rester là toute leur vie. Je mourrai, ces caisses seront toujours fermées, quoi. Alors attends. Bon déjà la caméra, on voit que dalle, donc je sais pas ce que je dois faire. J'imagine que je dois aller à droite. Parce qu'à gauche, il n'y a que dalle. Donc, on va faire le sémitisme. Hop. Voilà. On va aller activer le bouton en hauteur parce que je pense qu'il faut faire ça. Étant donné qu'on n'a pas chopé de clé ou quoi. En fait, quand on y... Oh putain, le gong est là! Eh. Nique ta mère. Nique ta mère. Allez hop. Allez hop. Pour le personnel. Et on a chopé 20 joyaux quand même. Bon, ce stage-là était quand même moins hard que celui d'avant. Ok, le boss du niveau 3. On sauvegarde. J'ai failli lancer sans sauvegarder. Cela dit, c'est pas trop grave parce que on aurait recommencé directement ici si on était mort. 46%. Bon, allez, cactus Jack's Ranch. Le cactus du ranch de Jack, c'est ça? J'ai hâte de lui péter la gueule à lui. Ok, un boss cactus. Je trouve que les boss, ils ont des bonnes gueules. Depuis le début quand même. Les boss sont quand même, ont quand même des bonnes gueules. Alors attends.
Ah oui, c'est vrai qu'on a un stage à chaque fois. Ah, c'est génial. Ah, genre, allez, vas-y, suicide social. J'ai envie de prendre mes affaires, là. Ah, je vais prendre mes affaires. Ah, je vais tellement prendre des lourdes affaires, mon pote. Je pense que je vais tout prendre, ouais. Ah. Hop. On est pas pire. On est pas pire en sacrement. Alors attends. Attends voir. Attends voir. Yes I. Ça c'est bon ma gueule. Et massive. Oh putain. Oh putain, Dragon Rush! Non! Mais c'était infect! Oh, c'est une saloperie, tu ne me touches pas! Même pas avec un bâton! C'est infâme, je vais même pas passer la première salle. Ouais, maintenant je Dragon Rush, j'en ai plus rien à foutre. C'est le stage du boss, donc. Je me dis que. C'est pas très grave. Ce qui est important, c'est de. D'analyser le boss déjà. Voilà, on s'en branle là, de perdre des vies. En général, il y a deux zones et après, il y a le boss. Voilà. Oh, regarde-moi ça, il y a encore une vie qui m'attend. Hop. Putain, cette phase me dit quelque chose. Je vous jure, ça me dit quelque chose. Attendez, c'est ça la salle avant le boss? Putain. Ah ouais. Bon, ça va, c'est tranquille. Ok, alors, qu'est-ce qu'il va faire? Oh putain, d'accord. Sulfateuse. Oh! What? Ok, faut se barrer sur le bord. Bah, j'ai mis un coup de queue. Vite. Ah, mitraillette. Ok, et maintenant la toupie. La toupie infernale. Il vient pas ici, je crois. Oh putain, si! Non! Vite! Allez, vite! Chope un joyau, pédale! Un joyau! Non! Non! Yes! Voilà. Yes! Nickel! Bon, il était tranquille. Ça, c'est du first try, en plus. Excellent. Bon, ça va. Mais voyez, quand même, tous les boss sont assez originaux, quoi. Ils sont... Ils ont des patterns différents. Bon, on les tue toujours avec un coup de queue, mais en même temps, le gars avec deux attaques. Donc, Non, c'est pas mal, c'est pas mal. Par contre, putain, le boss de flotte juste avant, il était pire que lui. Hein. Ok, on est au quatrième monde, la tour du pouvoir. Je suis content, je suis content. On a passé le troisième monde, cette espèce de saloperie, là. Allez. Je crains le pire. Hein. J'ai vraiment peur de ces niveaux-là. Oh putain. Oi, 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 oi. Ok. Il y a une vie en bas. Il y a deux vies en bas. Allez, on y va. La musique est pas mal. La musique est pas mal. Ah d'accord, donc en fait là, la plateforme va nous ramener au début, donc il va falloir tous retaper. Ok. Ah, par contre, j'aurais peut-être pas dû péter les caisses. Non, c'est bon, ça passe. Ça a l'air ardos, en tout cas.
Oh putain. Ok. Peut-être rester dessus, non? Quoi ça sert? Ah, on peut les pousser, d'accord. Attends. Quoi ça sert de les... Parce que si je la pousse, je vais me les prendre sur la gueule, on est d'accord, donc je vais crever. Ah non. Attendez, je comprends pas ce qu'il faut faire. Attendez, ça sert en fait à les faire dépop et à les faire repop, j'imagine. Donc en gros, il faut se servir de ces caisses pour faire quelque chose. Et si jamais on foire, en fait, on peut les faire réapparaître. Ça doit être ça. Ah, là, par exemple, je peux pas la pousser. Je peux pas la pousser plus que ça. Tiens, non. Ah, attends, on va tenter un truc. J'ai un peu de mal à comprendre, là. Qu'est-ce que c'est que cette merde? Qu'est-ce qu'il faut faire? Alors je peux regarder... Voilà, je peux regarder nulle part. Hein. Là, vous voyez, j'appuie... Ah si, ça bouge un peu, là. Je comprends pas ce que je dois faire. Qu'est-ce que c'est que cette merde? Alors attends. Il y a un truc en haut, donc faut aller en haut, apparemment. Mais comment je vais en haut, quoi? Parce que je peux que pousser, hein, je peux pas tirer. J'ai un peu de mal à comprendre là. Qu'est-ce que je dois faire avec ces putains de caisses à la con? Parce que celle-là, je peux pas la pousser plus. En fait, je me dis peut-être la foutre sur le machin là, mais. Je peux pas regarder en haut, putain, ça me prend la tête ça. Ils te foutent un mode vu comme ça, tu peux pas regarder, quoi. Attendez, j'ai une idée. J'ai une idée... Comment je peux faire ça? Ouais, on va tenter un truc. On va essayer de faire un genre d'escalier. On va pousser un peu ça. Putain, si c'est ça, les gars, c'est n'importe quoi. On va essayer de faire un escalier sans que les caisses tombent, parce que...
Voilà, on peut même pas en fait. On peut pas. En fait, j'aimerais pousser celle-là. Pour pousser celle du dessus contre la muraille en fait. Pour la pousser contre la muraille, mais. Comme ça. Tu vois? Et après, je fais un truc genre. Parce que là, si je la pousse encore, elle tombe. Donc, je la pousse un poil plus. Tu vois? Je repousse un peu celle-là. Tu vois le délire, ce que je veux faire? Et je veux l'emmener contre la muraille. Mais ça doit être ça, hein. Ça doit être ça, en fait. Ça me paraît complètement fou, mais ça doit être ça. Merde, là, un peu trop. Ah, je l'ai poussé un peu trop, là. Ah, il faut que je fasse gaffe que ça me bloque pas. Voilà, là, ça me paraît pas mal. Putain, si c'est ça, c'est complètement con, hein. Mon Dieu. Attends. Ah, je peux pas la repousser, celle-là? Attends. Non mais c'est ça, hein. Non mais c'est ça les mecs. C'était ça? Oh là 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 là, le truc complètement taré quoi. Et ils sont pas aidés les bordels. Hein. Oh my god, ça c'est du oh my god. Hein. J'espère qu'il n'y a pas de timer. Eh ben. Putain, si on meurt, on va devoir refaire ça. La tour de l'angoisse, quoi. Oh my god. Ok. Oh putain! Oh non, 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 non! Vite, 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 vite! Oh putain! Oh non, non, non! Ok. Je suis pas bien du tout, les gars. Je stresse de ouf, j'ai le peur, j'ai le vertige, c'est horrible. C'est horrible. Ça fait vraiment bader, hein. Ça fait tellement bader, les gars. Ah, là, je peux aller peut-être sur la grille. C'est peut-être une bonne idée, ça. Aller sur la grille pour récupérer la plateforme rouge, là, qui arrive. Voilà. Pour éviter... Ah non, elle est trop haute. Ah non, c'est bon. Non! Putain! C'est horrible! Putain, je croyais que j'y étais, là! Oh là 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 là. My god! Ils sont fous. Ils sont fous. Ah, il va me toucher, lui, c'est sûr. Et ouais. Et voilà, c'était sûr. Putain, c'est horrible. Oh, je pense que c'est la fin, après, j'espère, du niveau, là. Putain, il faudrait que j'essaye de sauter dessus. Sur la grille, je sais pas si c'est possible. Ah non, c'est pas possible, putain. Pédale de merde. Aïe, 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 aïe. Oh là, mais casse-toi. Faut que je m'arrête à mi-chemin, en fait. On va s'arrêter là. Oh putain, mais il me touche à tous les coups. Oh non. Oh, oh, oh. Ok, donc là, on est dans la merde. Ouais, ouais, putain. En fait, ah ouais, d'accord. En fait, il passe vraiment sur le truc, quoi. Faut le suivre, peut-être. Ah, mais attends, je peux mettre un coup de queue, je suis con. Mais non! Je peux même pas le taper! Mais attends, il se fout de ma gueule, là.
Oh putain, on va crever là. Putain, je suis dégoûté, quoi. Oh putain, yes. Ah, c'est bon, on peut monter sur le truc. La caméra, les mecs. Alors, attends voir. Voilà, putain, j'ai perdu 3 vies, je crois, au moins, là-dessus. On va crever. De toute façon, c'est sûr qu'on va crever, là. Oh lo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 l. Ça fait bader. Ah, oh, putain, c'est vraiment, mais... Cela dit, c'est joli, hein. Il y a une bonne ambiance et tout, hein. Mais putain, que c'est dur, quoi. C'est vraiment de la plateforme à la con, avec un gameplay dégueulasse. C'est horrible, quoi. Vraiment, te... Eh ben, voilà. Voilà, voilà, voilà. On doit tous retaper. Le mec glisse, hein. Encore une fois, le gars glisse. Ok. Donc, à mon avis... Ok, donc là, c'est juste le premier stage du dernier monde, les mecs. Bon, il reste 10 minutes. Je suis désolé, mais on ne pourra pas terminer ce... Enfin, si, on va sûrement terminer ce niveau, j'espère. Mais clairement, oui, on ne pourra pas terminer le monde, hein. De toute façon, je pense que vous l'aurez compris. En fait, cette première phase, elle fait bader, mais ça va. Comparé à ce qu'il y a après, en vrai, ça va, tu vois. En plus, ils nous filent des vies en bas. Ils sont plutôt sémites. Ils sont plutôt sémites là-dessus. Les gemmes, on s'en branle, on va pas les prendre. Clairement, je m'en tape. Je m'en tape complètement. La musique est cool, encore une fois. Très très bonne musique. Ok. Ok. Bon, un petit coup d'eau parce que là. Ah putain, il y a le truc des caisses. Putain, franchement, ils ont abusé avec ça. C'est tellement de la merde. Attends, je réfléchis, hein. Mais non, parce qu'en vrai. En vrai, je peux faire ça. Je suis pas obligé de... Je peux faire ça, et là normalement je peux aller dessus, quoi. C'est ça? Ah, il s'agrippe pas! Il s'agrippe pas! Je sais pas pourquoi il s'agrippe pas, donc bon, c'est pas grave. Ok, d'accord. En fait, c'est... Ouais, c'est pas si compliqué que ça, mais... Franchement, avoir l'idée de faire ça, c'est vraiment stupide, quoi. C'est de la merde. Parce que c'est vraiment le genre d'endroit où tu peux être bloqué en étant gosse, hein. Parce qu'à aucun moment dans le jeu, on t'apprend à faire un truc comme ça, donc... En plus, enfin, j'ai vraiment fait ça en me disant... Ouais, je vais tenter ça. Mais je suis sûr que c'est pas cette merde. Eh ben si, c'était ça, en fait. Putain, mais pourquoi ils montent pas dessus? Oh là là. Ils montent pas dessus, le gars. Tout à l'heure, je l'ai fait. Et... Putain. C'est énervant, quoi. Ah, laisse tomber. Pff. Ah, mais c'est mort. Non, mais c'est mort. Là, je vais me faire toucher. À moins que j'aille comme ça, là... Ah ouais, c'est vraiment du poil de cul, quoi.
Allez. Ok. C'est con, putain, j'aimerais bien passer dessus à chaque fois parce que c'est possible, quoi, de passer sur la grille. Ça m'évite de bader avec cette espèce de merde qui te suit, là. Bon, alors attends, tout à l'heure, comment je suis mort? Ouais, je suis tombé comme une merde, je crois, hein, simplement, quoi. Ouais, c'est là, en fait. C'est des fils de pute, en fait, ils ont mis une caisse. J'ai failli tomber encore. Vous l'avez sûrement vu. Ok. Alors, là, il y a une espèce de grande roue, là. Oh, cette saloperie! Alors, il y avait une passerelle en hauteur, j'ai l'impression. J'espère juste qu'il n'y avait pas un truc à activer en haut. On dirait pas. Ouais. Ah oh, putain, non, t'es sérieux là? Qu'est-ce que je dois faire encore? Putain, je suis sûr qu'il y avait un bouton en hauteur pour activer la passerelle. Ah bah je suis baisé. Je suis obligé de crever là. Attends, mais sérieusement là? Allez, mais putain, fais quelque chose là! Ah ouais, d'accord, ouais. Allez, laisse tomber, on est obligé de canner. T'es obligé de crever. Ah, c'est super intelligent, les mecs. Merci beaucoup, hein, franchement. C'est au top, quoi. Là en termes de level design, c'est... bah, c'est complètement con, quoi. Mais c'est du die and retry, putain. En fait, c'est ça, je me rends compte. C'est du putain de die and retry, quoi. Mais en 3D. Oh là 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 là. Vous avez vu comment j'ai été un peu sur la droite? En fait, fallait pas. Putain, c'est horrible. C'est horrible. C'est horrible. Alors, je ferai pas Croc 2, hein, vous l'avez compris. Au début de la vidéo, je vous disais... Oh, peut-être que je ferai le 2, si c'est sympa. Ouais, ouais, Taras. Jamais je touche à cette merde. Voilà, en fait, ça passe, hein. Y a pas besoin de... Ok, alors, attends. Qu'est-ce qu'il y a en hauteur, là? Non, mais y a que dalle. Y a que dalle en hauteur. Mais what the fuck, pour faire quoi? Bon, écoutez, on va péter ça. Oh! Oh! Oh putain, ça active des rouages! Oh putain, d'accord. En fait, faut niquer toutes les caisses. Ah, d'accord, ok. Oh, on peut revenir, tiens. J'aurais pas cru. Ok, alors les caisses, elles contiennent des rouages. Pff. Oh, la connerie, mon gars. D'accord, et donc, il manque un rouage. Oh, par contre... Ah, par contre, ça fait un genre de shortcut à chaque fois. Ah, ça, c'est... pas mal. Les frises, c'est horrible, hein. C'est la pire des saloperies. Hein. Ah oui, non, là c'était une sphère de merde. Voilà. Ok, 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 ok. Ouah, c'est rigolo, quoi. Mais bon, c'est un peu de la merde quand même, hein, les gars. Ah ouais, puis là, du coup, antisémitisme de ouf. Ok, le machin se barre, d'accord. Il revient. What? J'étais dessus, les gars! Oh là 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 là, c'est de la merde. C'est de la merde. Il a glissé, j'étais dessus! J'étais sur la plateforme! Putain, il reste 1 minute 55. Est-ce que je vais réussir à finir ce niveau avant la fin du chrono? Non, parce que là, si on a un game over, c'est notre dernière vie. Hein. Si on a un game over, on recommence pas. Ce sera dans la partie prochaine. Dans la partie suivante. J'ai failli tomber, hein. C'est horrible. C'est vraiment infect, hein. C'est... putain, la vache.
suis quand même curieux de savoir s'il y a des gens qui avaient fini ce jeu à l'époque. Hein. En étant gamin. Hein. Voilà. En fait, ça va, c'est pas trop dur. C'est pas trop dur, je trouve. C'est juste que, bon, tu peux te péter la gueule parce que le jeu est fini au doigt et que le gameplay est dégueulasse. Mais en vrai, les phases de plateforme sont pas très dures. Si t'avais un bon gameplay à la Mario 64, par exemple... On va pas y aller direct, hein, on va attendre. Franchement, si t'avais un bon gameplay à la Mario 64... Enfin, peut-être pas Mario 64, parce que le gameplay est quand même un peu dégueu, parfois. Oh putain, cette chance! Cette chance, les mecs! Allez, dites-moi que c'est la fin, là, s'il vous plaît, Dieu, quoi. Seigneur, s'il vous plaît... Merde! C'est pas la fin! Oh non! Ok, bon, et bah... A mon avis, c'est dead, hein. Alors, j'ai vu qu'il y avait une vie au loin. Oh putain! Vite! D'accord! Et bah, on arrête. Voilà, les gars. On va s'arrêter là, il reste 16 secondes, ça ne sert à rien. Bon, et bah, écoutez, les mecs, on va se retrouver très prochainement pour cette merde. Voilà. Je vais me faire une partie d'une heure par jour. Ça évitera que je sois trop énervé, machin. On est cool. On progresse tranquillement. On progresse tranquillement. C'est horrible, hein, évidemment. Vous avez vu la difficulté hallucinante du bordel. C'est... ouais, c'est ouf. Franchement, ça devient vraiment, vraiment corsé. Imaginez récupérer les gemmes en plus. Hein. Non, mais laisse tomber, quoi. J'imagine même pas le monde 5. Qui doit être donc un... Un mix de toutes ces merdes, donc de tous les pires trucs du niveau, enfin du jeu. J'imagine même pas le bordel. Bref, eh ben écoutez, je vous fais des bisous, merci à tous d'avoir suivi cette vidéo, et puis ben, je vous dis à bientôt pour la suite. Ouais, là clairement j'ai pas du tout envie d'y rejouer, mais bon, on va être obligé. Surtout que voilà, on est au dernier monde. Ça va le faire. Allez, encore 10 vidéos et on est bon. Allez, je vous fais des bisous à tous. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Et je vous dis à la prochaine. Ciao.